Salut, salut les copains, j'espère que vous allez bien. Vous verrez dans cette vidéo que Nico s'est enfin mis à faire les bricoles qu'il avait à faire sur Lulu. Je dis enfin, pas qu'il n'était pas courageux, qu'il n'avait pas envie de le faire, mais on n'avait pas le temps avec nous. Et en plus, on a travaillé pas mal ces derniers temps, donc on n'avait pas beaucoup de temps. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu le petit short de ce matin, sachez que je vous souhaite à toutes mesdames une très bonne fête des mamans. Allez, bisous. Je voulais vous parler d'une nouvelle petite rubrique que j'ai décidé de mettre en fin de vidéo. Alors, il n'y aura peut-être pas toutes les semaines, mais c'est une manière pour moi de faire un petit peu un retournement de situation. Je me suis posé la question face aux commentaires pas très gentils, pas très cool, quelquefois méchants, quelquefois plutôt bêtes. Comment je pouvais faire pour les ignorer alors que je suis quelqu'un d'assez sensible et émotive. Et en fait, je me dis que bah, y a pas besoin de les ignorer. On va plutôt s'en servir et en faire quelque chose d'un petit peu rigolo. Donc cette nouvelle rubrique, ce sera les concons de la semaine. Et du coup, pour l'instant, je n'ai pas énormément de commentaires pas sympas. J'en ai un pour aujourd'hui. Mais à la suite, plus j'en aurai, et plus ce sera difficile de choisir le concon de la semaine. Du coup, je compterai sur vous, les copains, les abonnés. N'hésitez surtout pas, quand ce sera le cas, je mettrai des sondages et ce sera à vous de voter pour le concon de la semaine. Et vive les concons! Et vive les concons! Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure! Salut la compagnie! Allez, début de semaine, lundi matin, il y a du brouillard et du soleil. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais on va profiter du soleil tant qu'il est là. Allez, moi je vous dis à plus tard, ça va être l'heure d'aller travailler. Hello tout le monde, ça y est! Alors ça, c'est ce qu'on appelle du foutage de gueule. Ah, clairement, ma fille se fout de moi, quoi. On aurait dit que tu chantais. Bon, là, c'est mort. Là, c'est mort, je suis plus concentrée. Bon, on s'en fout. J'espère que vous allez bien. Nous... J'y arrive plus, là. C'est malin, tu veux prendre ma place? Allez. Tu fais le rush à ma place. Non. Bon, juste pour vous donner quelques nouvelles de notre journée, tout s'est bien passé, on est mort par contre. C'est pas vrai, on n'est pas mort, on parle encore. Ça y est, tu vas t'y mettre aussi, mais ça c'est la fatigue. Bah vas-y, rechante. Bon, on s'est fait une sacrée journée en plein soleil d'ailleurs. Moi, bon, j'ai repris quelques couleurs. Moi, je suis blanche. Cookie, cookie, pou, 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 pou. Bon, il se fout de moi. Il se fout de moi parce qu'en fait, dès que je vois le petit perroquet danser, là, c'est bon, je l'ai dans la tête. Mais si, tu l'as forcément vu, ça, sur TikTok, le petit perroquet qui danse. Mais je l'ai plus sur TikTok. Ah ouais, c'est vrai. Bon, bref, on s'en fout. Maintenant, on ne va plus sur rien du tout, vu que le portable est mort. Donc, ouais, ah oui, si, ça, tiens. Quoi? Bah, ça, je devais en parler. Alors. Et où d'ailleurs? Attention, c'est pas une critique. Je ne le dis pas méchamment. D'ailleurs, j'ai contacté All Power pour les prévenir et leur dire de faire attention à ce fameux produit. Peut-être que tout simplement, c'est juste notre batterie à nous qui était défectueuse, qui avait un problème de fabrication. J'en sais rien. Ouais. Mais on a eu très très peur hier. Donc, Chloé n'a plus de portable. Alors, nous, on avait déjà grillé le nôtre. Oui, mais attends, je parle. Tu vas montrer après, ma puce. Nous, on avait déjà grillé le nôtre, mais il était déjà vieux et il nous faisait des bugs et tout. Donc, on a mis ça sur le compte du téléphone ou du chargeur. Et ben hier, il est arrivé pire à Chloé. Le chargeur a carrément cramé dedans pendant qu'elle était en charge et sur la petite batterie All Power. Mais bon, ça a fumé, ça m'a fait peur. Ouais, bah ça fait peur, oui. Exploser, après, ça peut être un défaut de fabrication, mais après, il faut dire la vérité. Mais oui, non, mais c'est pour ça que... C'est de la merde, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je le dis. Parce que justement, clairement, on aurait pu foutre le feu dans le lieu, quoi.
Ouais, ben heureusement qu'on était là et que Chloé a vu que là, ça se mettait à fumer, quoi. Parce que t'imagines, on n'aurait pas été là. Mais en fait, je venais à peine de le mettre. Il aurait été branché. Qu'on serait parti, par exemple, c'est sûr et certain. On venait, le camping-car, il avait plus fait. Mais là, en fait, je venais à peine de le brancher, en fait. Ça a fumé directement. Donc, vas-y, montre-nous si tu veux. Donc, vous voyez. C'est à l'intérieur. Je sais pas si ça. Je sais pas si on peut voir. En fait, le chargeur a littéralement fondu dans le. On voit rien. Dans l'embout. Donc il y a une partie du chargeur qui est restée dedans, de toute façon. Non, c'est l'inverse. C'est une partie de mon truc qui est dans le chargeur. Qui est dans le chargeur. Peu importe. Ça a cramé et le portable est mort. Donc je tenais à vous le dire. Et un peu de plus, et j'allais oublier. Donc on fait bien de parler de téléphone. Enfin bon, faut dire ce qui est. La batterie, quand même, c'est de la Camelot. Quand tu vois que la malheureuse petite batterie, pourquoi elle est toute petite, hein, il te faut 5 heures pour la recharger sur secteur. Oui, voilà, de toute façon. Mais bon. 5 heures, tu pars après toute la journée. Après, je reste à dire. Le matin, je reprends le soir. Je peux parler? Je reste à dire que malgré tout, bah, quand on a fait la vidéo de présentation, on a dit les choses que nous, les points positifs et les points négatifs. Ouais. On n'avait pas encore beaucoup de recul pour dire ce qu'on en pensait vraiment. Et effectivement, c'est pas du top du top. Ah, bah, pas du tout, même. Bah surtout maintenant. Surtout maintenant que voilà, bref. Non, mais même, après il nous fallait le temps aussi de la tester, tout ça, pour dire vraiment ce qu'on en pensait. Maintenant, moi je dis ce que j'en pense, c'est de la merde. Oui, littéralement. C'est de la merde pour toi, mais après ça peut aussi rester un produit utile pour certaines personnes qui n'ont pas grand chose en fin de compte à brancher dessus. C'est mon tel qui a été la victime. Hein. Bon, bref, voilà, la batterie, je suis désolée pour All Power. Elle finira la poubelle. Je suis désolée pour mais on va pas la garder, hein, clairement. On va pas risquer de vous le faire nous tel. Voilà. Puis je vais même pas la donner ou la vendre. Non. Je vais directement la mettre à la déchetterie directement. Je crois que dans certains magasins, ils récupèrent tout ce qui est à batterie et tout. Ouais. Oui, possible, oui, mais c'est bon. Pour le recyclage. Sinon. Bref, on ne va pas la garder parce que ça s'avère être un produit défectueux, en tout cas la nôtre. Hein, je peux pas parler pour toutes les batteries. Voilà, par rapport là au problème. Celle qu'on a eue, nous, était défectueuse, ça c'est certain. Alors, je suis en contact avec la personne d'All Power, qui a pris le temps de me répondre, qui est très agréable et qui, justement, m'a demandé les soucis qu'il y avait eu, qui m'a demandé des photos. Alors, j'ai pas 50 000 photos, en fait, j'en ai qu'une et on voit pas grand chose. Ah, au pire des cas, elle va te dire quoi? Renvoyez-nous la batterie et je vous en envoie une, mais c'est pas pour ça. Oui, non, de toute façon, on a cramé deux téléphones, c'est mort. Clairement. Bon, de toute façon, c'est comme ça, on va pas. De toute façon, on est dans notre passe de poisse, donc, fallait pas espérer. C'est contagieux. Hein. Voilà. Oui, c'est contagieux, ça se refile à toute la famille. Bon, bref, ce qui est certain, c'est que du coup, je ne peux pas vous recommander cette batterie. Voilà. Parce que c'est bien beau de présenter des produits, mais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit depuis le début, que je n'étais pas contre faire quelques présentations de produits, mais par contre, je dirais toujours ce que je pense, la vérité. Voilà. Et pour moi, là, c'est un flop. C'est un flop, cette batterie... Encore une fois, je le dis, c'est peut-être juste celle-ci qui avait un problème. Oui, on ne peut pas savoir. Ça, au niveau du problème là qu'il y a eu, oui, je pense que c'est simplement un défaut de fabrication, ce qui peut arriver sur n'importe quel produit, hein, de toute façon. Par contre, le reste... les points négatifs, ils sont toujours là, de toute façon. L'écran, il est à peine lisible. Quand tu mets les prises en route, elle fait un boucan, mais monstre. Et puis elle est super longue à recharger. Sur secteur, il te faut 5 heures pour recharger. Pourtant, c'est une petite batterie qui fait 300 watts. Il te faut 5 heures pour la recharger. Ah oui, parce que on avait déjà l'EcoFlow en 600 watts. En une heure, elle est chargée, elle est pleine. En une heure, elle est chargée. Alors, j'imagine même pas en mettant le panneau sur l'autre batterie. Là, dans au moins ce cas-là, 15 ou 16 heures. Il faut au moins 15 heures pour la recharger. Tout ça, c'est des choses. On serait revenu dessus de toute façon parce que justement. Il faut se laisser le temps aussi d'essayer le produit. Mais avec ce qui s'est passé hier, avec le portable à Chloé, alors c'est ce que je dis, le Note, il était en presque fin de vie, j'ai envie de dire. Donc au début, on n'a même pas pensé que c'était peu. Voilà, on ne s'est pas dit, c'est la batterie. Mais deux portables en 2 semaines, là, il n'y a plus de doute. Donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà notre retour sur la fameuse batterie All Power. C'était la combien pas. S300. La S300. Ne l'achetez surtout pas. On boit notre kawa.
Et puis on se maigne le cul parce que... Il est bientôt l'heure. Il est bientôt l'heure et on est toujours au lit en train de boire notre café, quoi. Mais bon, bah vous voyez, ça donne pas envie de se lever. Après la journée d'hier où on a pris des coups de soleil, mais je crois que ça va être ça tout le mois de mai. Hein. Je sais pas. Une journée on crame, une journée on flotte. Voilà, ben, ça va, mais tu... Hier, Nico, il me fait comme ça parce qu'à un moment dans la journée, je dis putain, je commence à sentir que ça me chauffe, quoi. Il dit bah oui, mais en même temps, t'as pas pris de casquette et t'as pas mis de crème. Je dis bah oui, mais faut réussir à prévoir. Bah maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un sac avec un ciré, des bottes et une casquette et de la crème solaire. Comme ça, on sera équipé pour toutes les saisons. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à plus tard. Bisous, bisous. Regardez la gueule de la chienne. En plus, ça ronronne. Elle est assise, mais n'importe quoi. Elle est vraiment pas bien, ma fille. Ah bah du coup, comme ça place. Tu m'as piqué ma place maintenant. Ah bah c'est très bien. Ah, bon oui, comme ta maîtresse. Et son maître. Fallait bien que ça me retombe encore dessus. Avec ton air dépité. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, arrête de me filmer. Et pourquoi ça? T'as Parce pas compris ta tronche? C'est notre pause et que j'ai envie d'être tranquille pendant la pause. Ça te gêne, hein, David? Ça là. Change, hein. Ouais, ça change, hein. J'aime mieux être derrière, ouais. Bien quand c'est moi qui gère. Ah, d'accord. Et pourquoi ça? Je sais pas. Et pourquoi? Bah, vas-y, dis. Ouais, remarque, c'est moi qui gère le montage. J'aurais juste à couper. Ah, bah, d'accord. Ah, tu veux couper? Non, mais je te jure. Ah, franchement. Passé, on a entendu une explosion. Ah, le truc de fou. Ah, je tremble. Ah, c'est impressionnant. Ah, deuxième explosion. Les pompiers viennent juste d'arriver et il y a eu une deuxième explosion. Ouais, mais ça, on entend les sirènes des pompiers. Ouais. Les pompiers m'ont dit que c'était un feu de camion, donc j'espère que... En toute logique, s'ils ont été mis au courant avant que nous on entende l'explosion, c'est que la personne elle a dû appeler que son camion était en feu. Bon, on s'en rappellera de notre saison en Moselle. Entre les inondations, les explosions, l'incendie, bah partout où on va, il y a des trucs de fou quand même. Ben, va falloir qu'on arrête d'aller partout alors. Arrête, les gens ils vont nous, nous croire responsables. Mais en fait, tout à l'heure, je parlais avec Tony, nomade de LG, en Messenger. Hein, juste à te parler, Tony, la poisse, elle vient à travers Messenger. Non, mais sérieux. Non, mais je pense quand même que, à mon avis, parce que moi, quand j'ai appelé les pompiers, ils m'ont dit, oui, on le sait, on arrive, il y a un incendie de camion, un feu de camion. Ah bah ouais, mais après, le temps qu'ils arrivent et tout ça, bah le feu... Ça a eu le temps d'exploser, mais s'ils le savaient avant les explosions, ça veut dire que le chauffeur poids lourd, sans doute, il a vu qu'il y avait le feu, il a appelé avant. Bah, ça a explosé une deuxième fois, alors? Oui, bah papa, il dit, c'est les pneus qui explosent, là. Alors, ça peut être les pneus, ça peut être... Enfin, là, c'est plus clair que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était épais et noir. Ouais. Après c'est pareil, c'est un peu lourd, hein. T'as les réservoirs là-dessus, c'est pas, t'as pas de 80 litres. Hein. Salut les loulous. Bon, je suis morte. On fait une petite pause là. Normalement, on doit retourner travailler tantôt. Je suis malade à crever. Malade.
c'est super d'aller bosser comme ça. Bon, bref. Ouais, donc je disais, normalement, on retravaille tantôt. C'est pas sûr, ça va dépendre de la météo. Alors, il y a des experts qui viennent constater les dégâts dans les champs. Donc, bah, on attend le feu vert du patron. On verra. Allez, moi, je vous dis à plus tard. Hello, les loulous. Bon, c'est jeudi soir. Et aujourd'hui, ça a été une grosse, grosse journée. Je suis morte. Là, il est 9h. Je vais sortir Eponor. Nico va faire le lit. Et puis, je vais me coucher. Parce que j'en peux plus. J'ai mal partout. Je suis fatiguée. On est cassé. Et puis, bah, comme je vous le disais ce matin, en plus, j'ai la crève. J'ai quelque chose à mignon, quoi. J'ai passé ma journée à travailler avec la migraine et la nausée. Bref, pas cool. Mais ça ira mieux demain, j'espère. Allez, moi je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain. Bon, bah, moi et ma chance magistrale du moment. Au moment où je dis je vais sortir Popone et je me mets au lit, il se met à flotter. C'est étonnant. Salut, salut la compagnie. Bon, c'est vendredi matin. Il est 5h30. On a la tête dans le cul, mais grave. Oui. Mais bon, la semaine n'est pas encore terminée. Il y a encore aujourd'hui et demain. Puis aujourd'hui, je crois que ça va encore être une très longue journée. Bon, après, on va voir le côté positif. Plus on fait d'heures et plus la paye sera grosse. Mais bon, là, clairement, fatigué. Puis bah, ça use un peu le moral. Hein. On ramasse beaucoup de fraises pourries. Donc c'est quand même beaucoup moins cool que de ramasser des belles fraises, quoi. Bon, bref, il va falloir que je m'active parce que j'ai du mal à me lever, mais ben, on commence dans une demi-heure et il faut que je sorte Epona encore. Bon, je vous dis à plus tard et puis, je vous souhaite une bonne journée. Hello. Bon, c'est vendredi, tout début d'après-midi, on reprend le boulot là dans 5 minutes, on se fait une pause, petite pause. Et il est temps que la semaine se termine parce que là, c'est raide. Et bien entendu, il flotte de nouveau. Donc, on va pas aller finir dans le champ cet après-midi. On va aller faire un tunnel. Et puis, bah, s'il pleut pas demain, demain, on fera le champ. Je suis tellement fatiguée. J'ai l'impression d'être un zombie depuis hier. Oh, pardon. Ah, hier. Bon, de toute façon... On s'est endormi direct hier soir. On s'est couché dodo. K.O. Et puis bon, bah, il est temps que la semaine se termine. Mais bah, comme d'hab, demain après le boulot, il va falloir aller mettre nos poubelles, faire nos courses. Et sans doute laver un peu de linge. Du coup, bah, le samedi sera déjà bouffé. Le boulot le matin, les corvées l'après-midi. Bon, allez. Courage! Courage, c'est rien, c'est que de la fatigue. On se reposera plus tard. Et salut la compagnie, c'est samedi matin, dernière matinée. Il y a du brouillard, mais ça annonce un beau soleil, je pense. Et normalement, aujourd'hui, on ne devrait pas faire une grosse matinée. Donc, on va sans doute pouvoir aller faire nos machines, nos courses et mettre nos poubelles... de bonheur, ce qui va nous libérer un petit peu notre samedi, ce serait pas mal comme ça. Nico, il va pouvoir attaquer ce qu'il a à faire sur lui. Donc, c'est quoi le programme déjà de Memo? Le programme de ce que j'ai à faire sur lui. Oui, que tu comptais faire aujourd'hui? Les plaquettes, les disques, frapper les numéros châssis là qui sont plus lisibles, et puis vérifier, faire le tour après du camping-car, vérifier que les feux marchent bien et tout ça. J'ai les petits feux de position qui sont en haut du camping-car. Eux, ils sont. Je sais pas pourquoi ils s'allument plus. Il y en a qu'un qui s'allume. Ok. Donc. Tu me disais, t'étais pas sûr que ça le fasse par contre de refrapper tes numéros parce que le jeu à frapper est petit. Ouais, il est petit. J'ai peur que. Je sais pas. J'en sais rien de, pour le moment. Faudrait que je regarde s'il y a. Comment dire. Une taille exprès ou quoi, j'en sais rien, je sais pas, on verra bien.
Ok. Bon, bah moi je vous dis à tout à l'heure. On va se mettre au boulot. Ouais. Et re-coucou les copains. Bon, je retire ce que j'ai dit ce matin. En fait, ce sera pas une petite matinée, ce sera une matinée normale. On a beaucoup, beaucoup à ramasser, donc voilà. Et on a des plateaux en plus à faire. Et on a des plateaux de plus que prévu à faire. Mais comme on fait ça avec le soleil, et bah, on prend ça avec la bonne humeur. De toute façon, on travaille toujours dans la bonne humeur, même quand on est fatigué. Et ouais. Et ouais. Bon allez, tais-toi, ramène ta fraise, toi. Bon allez, je vous dis à plus tard. Hello les copains. Bon, samedi après-midi, début d'après-midi. Ça y est, on a fini le boulot et bah on refile déposer les poubelles, faire les courses et puis du coup on s'est dit que les machines là, tant pis pas cette semaine parce que on est fatigué déjà et puis parce que bah sinon Nico il aura jamais le temps de faire ce qu'il y a à faire sur lui. Ouais bah là c'est pas dit déjà que je le fasse vu le temps. J'allais y venir. Il faisait un temps magnifique et puis là ça y est ça flotte. Donc du coup, c'est pas dit que Nico puisse s'en occuper encore une fois. Oh, j'ai la tête en vrac, moi. Non, c'est chiant. J'aimerais bien pouvoir faire ce qu'il y a à faire pour passer vite au contrôle la semaine prochaine. Et en plus, on a Fred et Steph qui passent nous voir ce soir. Ils nous rendent service, ils nous ramènent une petite plaque d'alu. Bon, bref, des bricoles que Nico a besoin. Donc c'est super gentil, ils nous rendent service. Et puis ils nous disent, bon, bah, on va se boire une petite bière ensemble ce soir. Bon bref, du coup moi je vous laisse, je vais essayer de survivre cet après-midi et ne surtout pas m'endormir en caisse. Et ben, je vous dis à plus tard. Ah, j'ai oublié de vous raconter, Noah il est content, je vous explique. J'ai fait un pari avec Noah, c'est quand ? C'est dans la semaine. Ouais, c'est dans la semaine. On a fait le pari que j'étais capable de ne pas boire de bière pendant 6 mois. Chose que tu es capable de boire. Chose que je suis tout à fait capable. Et puis, le truc, c'était on finit la caisse de bière avant, et dès que j'ai fini la caisse de bière, voilà. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'est pas grave. Soit j'achète pas de bière, et puis comme ça, j'ai pas de tentation, soit voilà, enfin, je suis capable de tenir sans boire. C'est pas un drame. J'ai fini la caisse de bière hier et puis c'était sans compter, sans ça. On fait notre matinée de boulot, il faisait super chaud ce matin. Et le patron, après le boulot, bah vous buvez bien une petite bière avec moi. Allez hop, une journée, Noah a gagné. Bon bref, donc il est content parce que bah ça va, il a quand même été cool. Hein, mon gage, je lui offre une pâtisserie, c'est un chinois. Et un paquet de Dragibus. Alors que moi, j'étais pas cool quand même avec lui. J'avais dit, si je gagne, tu seras mon petit esclave. Comment on dit déjà, bon, je suis une maman indigne. Que t'aurais pas fait non plus. Alors. Que j'aurais pas fait non plus, bien sûr. Bon, elle, c'était un peu pour le fun. Mais bon, effectivement, je pensais pas que le patron allait me payer une bière le premier jour du défi. Quoi. Allez, on y va. Amène ta fraise. Ah bah coucou tout le monde, on va débuter les travaux pour pouvoir passer Lulu la semaine prochaine donc au contrôle, en espérant que le contrôle a de la place bien sûr. Donc la première étape déjà, je vais commencer à frapper les numéros châssis, parce qu'ils sont plus lisibles. Déjà quand je l'avais repassé le dernier coup, il m'avait déjà prévenu, il m'avait dit il va falloir les refrapper parce que là ça allait encore, parce qu'on distinguait encore un peu, mais j'ai regardé et c'est vrai que là on voit plus rien du tout. Hein. Surtout que bah, je l'avais gratté, je l'avais nettoyé. Et repasser un coup d'anti-rouille dessus, donc du coup ça a tout caché. Donc voilà, et un grand merci à Fred qui m'a ramené une petite plaque à but. Comme ça je vais directement les frapper sur une petite plaque à but et qui m'a prêté un jeu de frappe. Comme ça au moins, parce que j'en avais acheté un, mais bah, les numéros étaient trop petits et j'ai peur qu'au contrôle il me les refuse quand même. Quoi. Voilà. C'est à frapper le numéro. Je vais le mettre de façon qu'on voit. Donc, maintenant, j'ai que des chiffres, j'ai pas les lettres. Alors, du coup, les lettres, je suis obligé de les faire au tournevis. C'est pas évident, mais ça se fait quand même. Alors, je me trompe pas de lettres quand même. Donc là, hop. J'espère que ça va marquer quand même.
câble. En espérant qu'au contrôle, ça va le faire. J'espère. Bon, normalement, il n'y a pas vraiment de raison. Jusqu'à moi, je fasse pas n'importe quoi. Tac. Donc alors, après. 4-0. Nico, il est dégoûté. Il s'est planté en frappant ses numéros. Il a mis un zéro de trop. Plaque, elle était belle en plus, notre plaque. Ah bah, il n'y a plus qu'à recommencer. Non. C'est ballot. Hein. Voilà ce qui se passe quand on fait des choses alors qu'on est trop fatigué. Donc, vous me dites hein, si c'est beau ou pas beau. Voilà à quoi ça ressemble. Je pense que normalement, hein, au contrôle, ils vont pas commencer à m'enquiquiner pour ça quand même. Au moins, c'est lisible, ça se voit. Non, mais. Bon, ben, je vais passer aussi au changement de la ceinture. Donc, j'ai reçu la ceinture qui est là. Parce qu'en fait, j'avais eu un souci. Donc, Epona était passée entre les deux sièges. Et elle avait le harnais. En fait, elle s'est accrochée sur la ceinture et ben, elle a tiré. Elle a tout arraché. Donc, je vais faire voir ça tout de suite. Donc, voilà. Donc, nous, on avait changé les sièges. On avait mis des sièges de C8 dedans parce que ben, les ceux d'origine n'étaient pas assez confortables. Donc, on a la ceinture. Allez, donc ici, vous voyez, elle ressemble plus à rien. Alors que de base, elle est comme ça. Donc, normalement, c'est pas compliqué. De toute façon, on va lever le siège. Ça va être mieux. Allez. Hop. On lève ça. Alors. Là, vous voyez, elle l'avait complètement déglingué. Non, normalement c'est rapide à changer. Hein. Ah, alors je vais reprendre du pied parce que d'une main c'est bien. Okay. Donc voilà, on est posé, on m'explique à la visser. Ah, donc ceux qui n'ont pas vu quand on a changé les sièges, on avait fait une vidéo là-dessus, le siège de C8. Donc celui-là qui va adapter les sièges de C8, ce qui est bien, c'est qu'il y a juste un trou en fait à refaire. Parce que les sièges d'origine, si je me rappelle bien, c'est il y a un écrou de chaque côté du rail. Que sur les sièges de C8, il y en a trois. Donc il faut en refaire un qui est plus dans le milieu. Donc bon, ça se fait super bien. Hein. C'est franchement... Ah, voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais redescendre le siège. Bon, Nico contrôle son klaxon parce que il doit y avoir un mauvais contact. En fait, alors pendant un moment il klaxonnait une fois sur deux, maintenant il klaxonne plus du tout. Et pourtant, quand il branche en direct, ça fonctionne. Donc on sait que c'est pas le klaxon qui est mort. C'est de la platine. La platine qui est au volant. Ça se trouve, il faudrait que je démonte le volant, que je gratte. Parce que là il marche. Tant qu'il klaxonne pour toujours du contrôle, ça serait pas mal. Oui, enfin bon, on peut pas. C'est un peu aléatoire, donc on peut pas non plus espérer un miracle. Ouais, mais attends, parce que tu vois, si j'ai un mauvais contact là, si ça se trouve là, je vais le rebrancher, ça se trouve il va marcher. Parce que j'ai l'impression que c'est au niveau de la fiche ici. Comme ça, il marche. Alors, attends, je vais faire ça, je vais le rebrancher et je vais aller vérifier au volant. Là, c'est barré.
Ah. Et les gros mains. On m'a pas entendu. On va bien. Alors, comment c'est foutu là-dedans? C'est le bordel. Déjà, le klaxon, c'est pas un klaxon d'origine, parce que ça, tu vois, c'est pas les fiches d'origine, déjà. Donc, tu vois, c'est pareil, je vais y mettre quelque chose, parce que tu vois, ça a un coup que ça se touche. Ça se trouve, c'est ce qui s'est déjà passé, d'ailleurs, à savoir. Après, bah, comme je dis, hein, c'est vrai que bah, maintenant, il faut réparer les conneries aussi de l'ancien propriétaire. Quoi. Tu vois qu'ici, on avait au moins une dizaine de fils qui servaient à rien du tout. Bon, on va aller en vérifier, alors. Bon, je vais changer ma cosse parce que je viens de m'apercevoir que la cosse là il tient plus avec grand chose. Et une partie de fil qui est coupée, il en reste peut-être 2-3. Donc comme j'en ai d'avance, je vais la changer comme ça au moins déjà. Ça va être un peu plus sûr. Et je voudrais faire mes disques et mes plaquettes, sauf que alors il y a un soleil, mais ça tonne. Ça tonne au loin. J'espère que je vais avoir le temps avant de m'en prendre plein la tronche. Parce que le problème, c'est que bah, s'il pleut, j'aurai pas le choix quand même de le faire. Et puis bah, le problème, je sais pas d'où qui vient. Le klaxon fonctionne. Donc je me demande si c'est pas la platine qui est là-dessous. Là. Après, je vais descendre le camping-car décale déjà pour faire mes plaquettes et tout. Je vais démonter le volant et vérifier donc si la platine est pas crade, tout ça. J'ai du nettoyant frein, on va foutre un coup de nettoyant frein, on va bien voir. Pour dégraisser, et on va voir ce que ça peut être. Je sais pas ce qu'a fait ma paparazzi, là. C'est à mon tour maintenant de faire le paparazzi. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Tu fais quoi? En train de récupérer des petits cailloux. T'es en train de voler les cailloux à Thierry? Non, regarde, ils sont bien plats, ça va être parfait pour faire des petits pendentifs. Ah. Merci mon grand. Ah bah oui. Les mini galets, c'est sympa aussi. Bon, c'est plus compliqué à travailler. En plus, j'ai pas les posca avec des pentes très fines. Donc... En plus, t'as des attaches en plus de boucles d'oreilles, il me semble. Oui, mais c'est pas pour faire des boucles d'oreilles. Bah, tu pourrais. S'ils sont pas lourds, parce qu'il faudrait pas qu'après t'ailles l'oreille. Léger, ça peut être une... Parce que si t'as l'oreille qui pend par terre après. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont être plus difficiles à travailler, comme j'ai pas forcément le matériel adapté. Quoique, au pire, la semaine prochaine, j'essaierai peut-être de trouver des petits poscas à prendre très fines. Des petits poscas. D'autant plus qu'il faut que je trouve un endroit où il y a des poscas, parce que. Il faut que je fasse là. Vas-y, explique tout. Ouais, allez. Vas-y, c'est parti, je te suis. Ici, là. Donc, alors, je sais, il y a plein de gens qui mettent des autocollants. Au-dessus, alors, la caméra de recul, elle va dégager parce qu'elle ne marche pas. Donc, il faut que je la vire. J'aimerais bien, en fait, mettre notre chaîne. C'est mettre le logo YouTube et puis la tribu libre comme l'air. Alors, je sais, ça pourrait être plus simple avec un sticker, mais comme j'aime bien faire les choses moi-même. Bah oui. Ça va trismeniser, ça va m'occuper. Ah, d'ailleurs. Et Tony, si tu as d'autres autocollants, j'en veux bien un parce que, regarde, celui-là, il se décolle. Et on va pas le voir après. Non, je t'entends te fâcher. Ça va pas, ça me prend trop. Ce caillou, ça bouge. C'est chiant. Ah, tu peux me dire vite fait ce que tu es en train de faire parce que. Lever le camping-car pour pouvoir enlever ma roue.
Aïe, tu te mets à parler en mosellan aussi. Toi aussi, tu fais des hop là. Ben, je te l'ai dit, en fait. Mais l'autre, il supporte pas autant de poids, si. On a un disque neuf, autant que j'en mets des plaquettes neuves avec. Hein. Oh, alors que là maintenant je vois le plus dur. C'est par là. Pourquoi ? Dis-moi tout. Les disques que j'ai de l'autre, là, c'est des disques ventilés. Et pas celui-là. Et bah, ça se trouve, c'est pas les mêmes modèles. Ah, pourtant, c'était bien le bon modèle que t'avais commandé. Bah, oui, mais tu sais, ça arrive à tout le monde. Oui, le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que je l'ai commandé que, bah, il n'y aura pas de retour. Ouais, donc en fait, prévoir et prendre des pièces à l'avance en prévision, c'est pas forcément la meilleure idée. Bah, il y a le truc se trompe, non. Là, tu as l'impression qu'ils se sont trompés. Oh, punaise. Ah, bah, c'est ce que je dis, hein. C'est comme ça, ils sont pas dans les mains. Hein. Bah, pourquoi tu voulais les changer là alors? Parce que celui-là, il est voilé. D'accord. Quand je freine, ça me fait trembler le véhicule. Mais, à tous les coups. Là sont plus larges. Hein, il y a beaucoup moins. Donc ils vont pas passer là-dedans. Ils tombent là. Les diamètres, enfin, ça a l'air d'être le même. Par contre, en restant là, c'est pas les mêmes. Ah putain. On va jamais y arriver, c'est pas possible. Ça me casse les pieds. Ah, il y a toujours un truc pour nous faire chier, c'est dingue. Après, au contrôle, eux, même si c'est voilé, de toute façon, ils ne se rendent pas spécialement compte. Hein. Mais bah, moi, ça me fait chier. Du coup, j'ai ça pour rien, mais alors... Là, c'est des ventilés. Il faudra ouais, peut-être voir pour les revendre. Sauf que là, tous les coups, ils ne vont pas passer entre là et là, tu vois. Entre les deux ici, ils ne vont pas passer. Tous les coups, ça, c'est les mêmes que les boxers et les jumpers. Et les fleurs du gâteau, mais tout ce qui est années 96 et tout. D'accord. Bien sûr. Bon, du coup, ce sera possible de leur vendre quand même. Bah oui, oui. Bah, passe la petite annonce directement sur YouTube. Là, je pense que tu vois, ça va sur le camping-car, par exemple, comme tu l'as fait.
Je pense que ça va dessus. Je pense que ça va dessus. Ah, ça me... Bon, faites-nous signe hein, si vous avez besoin de disques. 250 balles dans le cul. Mais ouais, ça à tous les coups, ouais, c'est ce que je te dis, à mon avis, c'est les mêmes que les jumpers. Les Fiat Ducato, mais années 96 jusqu'à 2000. Enfin, bon, alors, on va essayer ça. Ça me saoule. Ah mais c'est dingue, on les collectionne, hein. Vous voyez, hein, c'est tout neuf, c'est encore enveloppé, hein, donc c'est des disques ventilés. Sauf que moi, c'est pas des ventilés, c'est des pleins. Et j'ai regardé sur le carton et de fait, j'avais bien raison, ils se sont trompés. Vous voyez, donc c'est pour mon Peugeot Boxer, le Fiat Ducato et donc Citroën Jumper. Donc si ça intéresse quelqu'un, c'est tout neuf. Moi, je les avais payés un peu plus de 200 euros, ça devait être 200, 239, un truc comme ça. Si ça intéresse quelqu'un, moi 150 euros ça part quoi. Ça sert à rien que je garde ça, de toute façon maintenant je peux pas les ramener là-bas et prendre de la place et puis les stocker, ça me sert à strictement à rien. T'as mangé ma fleur, hein. T'as mangé ma fleur, Popone. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais vu l'heure qu'il est, en plus de la pause clope, hein, tu peux rajouter la bière, hein. Quoi? Ça va, t'es bien là? Elle est pas trop lourde? Bon, on commence, tiens, je mets ça là en attendant. Bon voilà, santé les amis! Prost! Prost! Voilà, là c'est pareil, je vais m'occuper de ça aussi. Je suis embêté, en fait, avec la cloche. Okay. Quand je suis rentré dedans, je suis obligé d'ouvrir le carreau pour à chaque fois pouvoir ouvrir la porte. En fait, j'ai la petite barre qui a dû sauter derrière, je vais regarder exactement ce que c'est. Donc je vous fais voir ça. Alors, déjà, on a mis ce plat. Le truciforme. On démonte ça. Ah oui, il va falloir démonter ça aussi, ça c'est la merde. À démonter. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oui, alors, faut que je le fasse tomber ce machin. Sinon, c'est très bien d'en récupérer. Et merde, je l'ai fait tomber. Vous voyez, cette petite pièce en plastique, donc elle n'est pas cassée. Mais alors, pourquoi elle tient pas? Ça, tous les coups, je peux pas le percer et puis foutre quelque chose dedans. Essayer de le... Voilà, d'en dresser un peu. Je le casse pas. Alors, comment ça se fait que ça se barre? Vous voyez, je vais vous montrer.
Vous voyez, c'est la petite tirette qui est là, en fait. Il se met dedans, là, donc avec la petite pièce que j'ai montrée juste avant. Et je ne sais pas pourquoi la tirette a fait que de se barrer. Parce que ça m'était déjà arrivé une fois, j'ai réussi à le remettre, et puis voilà, ça recommence. Donc bon, après, elle fait que de se barrer, mais si ça arrive une fois tous les ans, c'est pas non plus... Je vais pas racheter une pièce pour ça. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, normalement, c'est remis. Donc, on va faire un petit test. On verra bien. Ah, c'est souple là-dedans. Alors. Ça va-t-il marcher ? Eh ben, un peu calme. Voilà. Donc ça, le monsieur du contrôle va être content, ça marche. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Alors, nous allons élire le concon de la semaine. Alors, le concon de la semaine, vous allez vite comprendre le fonctionnement. C'est tout simplement un commentaire qui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, est soit désagréable, soit pas sympa, soit bête. Et celui-ci, je l'ai trouvé particulièrement bête. Et le grand gagnant de la semaine est... Chris, tu as gagné! Tu es le concon de la semaine! Bravo à toi! Alors quand j'entends « arrête de t'occuper des problèmes des autres », alors quoi? Il aurait fallu peut-être que je n'appelle pas les pompiers? C'est avec ce genre de mentalité très individualiste que des gens se font agresser dans le métro et tout le monde regarde mais personne ne bouge. Eh ben moi je suis pas comme ça. Désolée. C'est comme ça, c'est la vie. Je pense que même les animaux sont plus empathiques que toi mon gars. Autre chose, BFM TV, non, absolument pas, non. Je déteste BFM TV. En plus, on n'a pas le temps de regarder la télé. Soit on est au boulot toute la journée, soit quand on bosse pas, on a d'autres choses à faire que d'être devant la télé, tu vois. C'est ça, voyager, se balader, bref. Mais encore une fois, quelqu'un qui a un jugement hâtif et qui pense me connaître sans réellement me connaître. Et pour ce qui est des vaccins, alors je ne vais pas créer de polémique là-dessus, chacun a le droit d'avoir son avis. Je ne suis pas dans les extrêmes, je ne suis pas une anti-vax, mais je fais partie de ceux qui se méfient relativement des vaccins. Donc, effectivement, me parler de Pfizer, va te coucher, quoi. Et mes minots, je m'en occupe très bien, j'ai pas besoin qu'on me le rappelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous, les copains.